Bonjour tout le monde et merci de venir nous rejoindre sur un nouveau Adobe Live, bienvenue. Et aujourd'hui, je suis avec Jean-Loup Fuse. Bonjour Jean-Loup. Bonjour Pauline, bonjour à tous. J'espère que vous êtes prêts parce que cette semaine, c'est un peu la meilleure semaine de l'année, c'est la Back from Max. Donc on vous fait toutes les nouveautés, toutes les sessions qu'on a bien aimées, tout ce qui s'est passé pendant Adobe Max. Donc, j'espère que vous avez la pêche, parce que cette semaine, elle va être assez dense. Vous avez peut-être déjà regardé Franck 2 heures avant, qui a déjà attaqué la semaine pour nous parler des nouveautés. Et du coup, aujourd'hui, on reçoit Jean-Loup. Et de quoi tu vas nous parler, Jean-Loup, aujourd'hui? Ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas vu. Ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai, ça fait longtemps. Je suis très content de vous voir et d'être de retour sur la chaîne. On va parler d'InDesign un peu et puis des choses qui m'ont plu pendant cette Adobe Max. Donc aussi, je vais vous parler un petit peu des SNICs, c'est-à-dire en fait des projets de recherche et développement sur lesquels planchent les équipes d'Adobe. Je ne vais pas parler de tous les SNICs qu'il y a eu, mais j'en ai sélectionné quelques-uns qui me semblent intéressants. Et puis un peu de Photoshop et un peu de Creative Cloud, pendant 7 heures qu'on va passer ensemble. Bah carrément, de toute façon c'est le principe de cette semaine, si vous êtes là avec nous, toute la semaine ça va être du papotage avec nos habitués qui viennent nous parler de Max et des nouveautés. C'est cool, j'ai hâte de voir ce que tu nous as préparé. Yes. Mais d'abord, la tournée des bisous pour les gens qui nous rejoignent. Du coup, si vous êtes du côté YouTube, bonjour à David, Samuel, Franck, Ali Tomaga, à Thierry. Bonjour à Thierry qui est toujours au taquet. Et on va vous partager le lien. La Franck vous a déjà partagé le lien pour nous rejoindre plutôt du côté Behance si vous êtes sur YouTube. Parce que du côté Behance, c'est là où il y a tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est toute la planète. Vous êtes déjà pas mal du côté Behance. Du coup, bonjour à Sketchbook Mayo, Jamila, Franck qui est des deux côtés, Laura, Samuel, Loïc, Alex, Delphine, Franck, Héloïse, Stella, Diatou. Donc bonjour à tout le monde. N'hésitez pas à nous poser des questions pendant le live, on est là pour ça. Et puis, voilà, je crois que j'ai rien oublié, on est bien là. Et à ton tour, qu'est-ce que tu nous as préparé? Ah bah tiens, d'ailleurs, je vois ton onglet qui est déjà ouvert là. On commencerait pas à regarder ton écran et que tu nous parles de ton nouveau projet. Oui, merci. Effectivement, alors certains sont déjà au courant, mais Swash, c'est un nouveau projet que je viens de créer avec deux associés, Loïc Marteau et Marianne Huot, qui sont des ex-pyramides. Et Swash, c'est un centre de formation qu'on vient de créer, donc formation présentielle, sur tous les métiers de la création, donc design graphique, en passant par la vidéo, la 3D, notamment avec qui a eu la part belle de présentation chez Adobe Max cette année. Et on fait de la formation présentielle et distancielle et on est hébergé au campus Fonderie de l'Image. Voilà, donc ça faisait sens pour nous d'être dans un CFA qui est spécialisé dans les métiers de l'image. Et puis ça nous permet comme ça de faire le lien aussi avec des amis qui sont autour de nous, notamment le magazine Étape. Avec qui on a un partenariat pour l'ensemble de nos apprenants et puis tuto.com aussi que vous connaissez beaucoup. Donc voilà, ça c'est l'actualité du moment. Swash qui est donc un centre de formation qu'on vient de lancer avec deux associés en septembre. Voilà. Ah, trop cool. C'était pas un énorme challenge de lancer quelque chose qui fait des formations en présentiel en ce moment? Si. Ça vous a arrêté quand même? Non, en fait, on a la chance d'avoir une équipe très soudée derrière nous. On a travaillé avec une vingtaine d'intervenants qui nous ont conçu des programmes, ce qui fait qu'aujourd'hui, on propose environ 50 formations en présentiel et en distanciel. Donc non, en fait, ça a été beaucoup de travail, mais on a reçu un super accueil de la part de la communauté et des professionnels autour de nous, qui fait qu'on est confiant sur l'avenir
et encore plus motivé pour aller plus loin. Pas trop cool. Attends, montre-moi, c'est quoi par exemple, qu'est-ce que je peux apprendre? Bah, en fait, on a des formations sur la culture graphique. Donc là, c'est plus de l'acculturation sur de la DA, sur les couleurs, sur de la typo, etc. On a des formations sur le data design pour mettre en œuvre de la donnée brute joliment. Comment est-ce qu'on peut la présenter, soit dans Illustrator, soit en utilisant des outils, mais surtout aussi comment est-ce qu'on peut créer une narration à partir de cette data-là. Donc, on va avoir des formations sur du storytelling, on va avoir des formations sur du brand data ou de la data de manière volumineuse. Après, on a des formations classiques sur tout ce qui est PAO. Quand je dis classique, hein, c'est InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat. Aussi sur des sujets qui sont des sujets d'ordre plus technique. On va avoir des choses sur le grep. On va avoir des choses, donc le grep, la détection des caractères dans InDesign. On va avoir des choses sur le web design. Et puis après, marketing, communication, la vidéo, puis la bureautique aussi, parce qu'on a une excellente intervenante sur tous les sujets PowerPoint, Word et Excel. Voilà. Ok, et ben écoute, trop cool. Juste une petite dernière question. Est-ce que c'est pris en charge dans les trucs qu'on cotise là? Alors, ça va l'être. Voilà. En fait, on a besoin d'avoir une norme. Voilà. Et pour l'instant, ça ne l'est pas complètement, mais ça va l'être. Ok. Bon, voilà. Bah, écoute. Début 2022, si tout se passe bien, ça le sera. Voilà. Prise en charge CPF et par les OPCO pour tout ce qui est fonds publics. C'est super important. Ouais. Et bah, ouais. Écoute, trop cool. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et puis, j'espère qu'on pourrait venir vous voir en vrai. Là, ça donne envie. Vous êtes les bienvenus à Bagnolet. CFA Campus Fonderie de Limache, c'est le CFA qui organise les puces de l'illustration au mois de décembre, là les prochaines sont au mois de décembre, et les puces typo qui ont lieu au mois de mai tous les ans. Ce sont des événements qui sont assez connus dans le monde de la création, voilà, donc beaucoup de gens connaissent, vous êtes les bienvenus, on vous accueillera avec plaisir. Eh bien, trop bien, allez, est-ce qu'on attaque le petit ouais. Adobe Flex, c'est parti, on attaque la semaine. Ouais. Alors, début, c'est parti. C'est oui, parti. Franck, elle a commencé. Alors, la première chose dont je voulais parler, c'était les SNCCs, en fait, dans la session Adobe Max. Je ne sais pas si vous connaissez cette session-là. En fait, c'est une session qui présente les nouveautés, enfin pas exactement les nouveautés, mais les éléments sur lesquels sont en train de travailler les ingénieurs chez Adobe sur la recherche et développement. On a beaucoup de nouveautés Photoshop, notamment qui sont issues de ces recherches-là, notamment tous les neural filters qu'on a vus apparaître là au fur et à mesure. C'est issu d'une recherche qu'on voit depuis plusieurs années dans les SNCCs. Là, il y en a eu 9 de présentés cette année. Alors, j'ai remis ici, là, vous avez le lien qui va vous être partagé dans le chat, le lien de la session de l'ensemble des SNCCs, mais vous pouvez aussi les retrouver sur la chaîne Adobe Monde sur okay. YouTube, où ils les ont détaillés, donc les 9 petites vidéos. Moi, il y en a 3 que j'ai sélectionnées et que je voulais vous présenter. La première, c'est celui-ci, c'est le In-Between SNCC. Tellement bizarre. De toute façon, ouais. Ils sont tous un peu bizarres, les SNCCs neural filters, et en même temps, ça va être hyper... J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le futur, et là, ils commencent à faire des trucs de dingue, quoi. Bah, c'est assez impressionnant, effectivement. Là, celui-ci, le In-Between SNCC, c'est un système qui va permettre de faire de l'interpolation d'images entre deux photos. On connaît tous l'interpolation d'images sur de l'animation, sur de l'illustration 2D, etc. Ou même dans Photoshop, quand on crée des GIFs animés ou de l'animation image par image, ouais. On a la possibilité de tracer soit des trajectoires, soit des interpolations, suivant le terme employé. Et là, ici, on va avoir une interpolation d'images entre deux photos. Fixe. Et c'est assez impressionnant. Alors, j'ai ici, mais bien sûr, vous pouvez le retrouver vous dans InDesign. Voilà. Donc, entre deux images fixes, on a comme ça le mouvement qui se fait entre les deux images. Voilà. Ça, c'est assez impressionnant. C'est assez dingue. Alors, ce qu'il faut aussi réussir à se dire quand on voit ce genre de projet-là, et je reviendrai peut-être dessus un peu plus tard, c'est que les SNCCs ne sont pas forcément des prochaines nouveautés. Souvent, on a tendance à dire « Ah bah tiens, oui, ça, j'ai hâte que ça arrive dans Photoshop ou dans tel logiciel. » En fait, il faut plutôt les voir comme un état d'avancée dans la recherche et le développement.
Ils n'ont pas forcément pour vocation d'être développés en tant que tels, de manière indépendante, mais ils servent en fait l'ensemble des logiciels de la suite Adobe, soit parce qu'ils vont être appliqués ou ils vont déboucher sur une fonctionnalité qui va être appliquée sur plusieurs logiciels, soit lorsque ils vont être intégrés, mais bien plus tard dans d'autres logiciels. C'est le cas, par exemple, pour la déformation du portrait, les Neural Filters portrait qu'on a dans Photoshop aujourd'hui. Et l'un des SNCs, vous regarderez dans la présentation, c'était le premier d'ailleurs, je crois, l'un des SNCs en fait de cette année, c'était la déformation du portrait pour After Effects, enfin pour la vidéo en tout cas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà dans Photoshop, mais c'est encore en recherche et développement pour le reste sur de la vidéo. Voilà. Donc ça, il faut les voir comme ça, les SNCs, comme étant voilà, de la recherche sur des nouvelles fonctionnalités qui peuvent arriver. Donc ça, c'était le premier, le In-Between SNC, qui m'a bien plu, assez impressionnant. Et d'ailleurs, il y en a un, si vous regardez la vidéo, il y en a un qui est assez drôle avec un chien. Parce que là, c'est entre deux images, mais on peut le faire bien sûr avec des images intermédiaires. Donc, il y en a trois. C'est fou, ça, un petit chihuahua là, qui tourne la tête, c'est assez marrant. Le deuxième, qui rejoint aussi un petit peu ce que je viens de dire à propos des Neural Filters sur Photoshop. Là, on a un deuxième exemple. Alors, c'est le SNC qui s'appelle Artful Frames. Un deuxième exemple de comment est-ce que chez Adobe, le développement d'un projet pour un soft peut ensuite être dupliqué sur un autre. Dans Photoshop, on peut aujourd'hui, grâce aux Neural Filters aussi, transformer une image en venant lui appliquer un style graphique venant d'une autre image. C'est arrivé l'année dernière, on a la possibilité d'appliquer à un visuel les coups de pinceau d'un artiste ou à partir d'un sketch, un petit crayonné qu'on aurait fait à côté, essayer de reproduire ce crayonné sur la photo. Alors attends, le deuxième SNCs ici. N'importe quoi. Ça peut être, on télécharge une de nos images, un visuel, et en fait, ça analyse le style de l'image pour l'appliquer à une autre image. C'est pas forcément des trucs prédéfinis, quoi. Non, exactement. Ça veut dire que du coup, on peut fabriquer des images à la manière de. Voilà. Et donc ça, nous, on le connaît sur du format pixel type photo dans Photoshop, mais ce SNCs-là, Artful Frames, le présente sur de la vidéo. Donc ici, là, dans l'exemple, c'est pareil, je peux le laisser défiler, mais en fait, dans cet exemple-là, on a une peinture de Van Gogh à gauche et une vidéo à droite. Et en fait, l'idée, c'est d'appliquer les couleurs, le style graphique, la luminosité globale, et peut-être retrouver les coups de pinceau de l'artiste sur la vidéo derrière. Voilà. Donc là, pour l'instant, la démonstration ne se fait pas dans un logiciel de montage. Vous voyez, elle se fait en ligne de commande, parce que derrière, c'est tout un process d'intelligence artificielle et de calcul de rendu des images. Et ça peut être une nouveauté qui arriverait plus tard dans un logiciel d'animation, enfin, ou un logiciel de vidéo, que ce soit Premiere ou After pour Adobe. Donc ici, voilà, vous laissez regarder, mais voilà, donc on obtient, vous voyez, trois images ici qui sont issues de la vidéo, et bien sûr, derrière, ça peut être lu derrière. Voilà. C'est cool, hein ? Donc ça, c'est le deuxième, et puis le troisième, qui est un peu pour la blague, mais qui en même temps va peut-être apporter quelque chose d'intéressant, et en tout cas de très attendu, je l'ai mis sur pause pour l'instant, de très attendu par la plupart des graphistes, c'est une meilleure génération des ombres portées. Vous savez qu'aujourd'hui, les ombres portées, quand on les génère dans Photoshop, Illustrator ou InDesign, en fait, c'est toujours une projection de la forme graphique sur l'arrière-plan. Et là, ici, donc, on a un aperçu d'une meilleure prise en compte de la forme de l'objet et de l'objet en lui-même pour pouvoir projeter des ombres, qui permet d'obtenir des ombres beaucoup plus réalistes lorsqu'on parle d'ombres portées. C'est souvent le défaut qu'on peut faire aux ombres portées dans les logiciels graphiques, c'est de pas être réaliste finalement. Et du coup, c'est juste un petit astuces autour de l'image. Et généralement, on les fait toujours là-dedans, les ombres portées. Exactement. Et là, en fait, on se rend compte que, hop, si je reviens un petit peu en arrière, voilà, dans le résultat, on commence à voir les branchages ici, enfin les feuilles du pot qui se trouvent ici. À ce pareil, la démonstration se fait sur plusieurs exemples, avec notamment aussi en fin de présentation un exemple sur la profondeur de champ du mur dans une chambre d'enfant où il y a plusieurs éléments qui sont projetés
Et là aussi, c'est pas forcément une nouveauté qui arrivera dans les prochaines versions ou dans deux versions. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est propre à Photoshop, si ça peut être aussi déployé sur les autres logiciels de la suite Adobe. Mais voilà, c'est encore une fois un état d'avancement de la recherche et développement chez Adobe. Carrément, voilà pour les sneaks, les trois qui m'ont plu. Voilà, là, on les voit sur différents objets. C'est pas mal. C'est un peu pour la blague. On parle souvent des ombres portées comme étant un élément à rejeter, quoique ça revient encore, ça revient aujourd'hui un peu à l'ordre du jour dans les designs. Dans les designs, on voit de plus en plus d'ombres portées, mais voilà, un exemple intéressant de choses qu'on pourrait avoir plus tard. Bah, écoute, merci. Il y a Emma qui nous dit top le débrief. Et Julien nous dit les ombres, ça m'avait bien plu aussi. Ouais. Moi, ce que je retiens quand même des sneaks, c'est qu'ils travaillent vachement sur. Justement leur intelligence artificielle, les neural filters et tout, quasiment tous les sneaks c'était basé là-dessus, donc on peut se dire que dans le futur plus ou moins lointain, ça va devenir vraiment une partie intégrante du travail des graphistes et tout, ça va vraiment faire partie du monde. T'as entièrement raison. D'ailleurs, une des choses qui était rappelée pendant cette conférence-là, c'est que Sensei a 5 ans. Hein, Sensei, hein, c'est le nom de code ou la technologie de l'intelligence artificielle chez Adobe, celle qui aujourd'hui, effectivement, est appliquée à plein de fonctionnalités qu'on a déjà dans InDesign, dans Photoshop, Illustrator, mais aussi dans celles qui sont en train d'arriver. Donc, c'est effectivement 5 ans de nouveautés basées sur l'intelligence artificielle d'Adobe basée sur Sensei, et c'est pas prêt de s'arrêter, effectivement. Ouais, carrément, je pense que tout ce qui va venir, ça va être vraiment basé là-dessus. Et plus le truc de cette intelligence artificielle, c'est que plus on s'en sert, et plus ça va devenir précis, et plus ça va mieux fonctionner, en fait. Donc j'ai hâte de voir. Pour ceux qui seraient curieux de voir les autres sneaks, n'hésitez pas à aller regarder la session. C'est une des sessions principales, hein, donc sur la page d'accueil Max. Ça, vous avez le keynote d'intro et les sneaks. C'est les deux à voir si vous devez en voir deux. Voilà, de toute façon, on en parlera le reste de la semaine. Mais déjà, bah, merci d'avoir partagé tes sneaks préférés. Eh bien, de rien, avec plaisir. Alors, ensuite, j'ai regardé évidemment des sessions qui sont propres à InDesign, bien sûr. La première étant la session qui a été organisée par l'équipe de développement d'InDesign, d'accord, qui s'appelle Improving Design Workflow with the Latest Features in Design. Donc, on a ici une démonstration d'un processus de travail dans InDesign et qui est fait par les équipes qui développe InDesign. Donc, c'est assez intéressant. En plus, ça permet de les rencontrer. Il y a eu un think tank d'ailleurs aussi juste après, donc un live avec les équipes d'InDesign. Bon, il est malheureusement plus. On peut pas le revoir en replay. Hein. Certaines sessions sont en replay, d'autres ne le sont pas. Mais j'ai noté quand même quelques petites choses intéressantes pendant cette session-là. Je vous en prépare tout à l'heure. Mais là, sur cette session à proprement parler, je pense que pour les débutants, c'est pas mal de l'avoir. Pareil, je pense que le lien va tourner dans le chat aussi à un moment donné. Pourquoi? Parce que en fait, elle va remontrer des éléments qui sont pas forcément connus dans InDesign. Je pense par exemple à l'interactivité. Ils ont remontré aussi le fait de pouvoir enregistrer la position et la dimension d'un bloc dans un style d'objet. Ça, c'est là déjà depuis quelques versions d'InDesign. Je ne suis pas certain que tout le monde soit complètement au courant ou s'en serve au quotidien. Donc, elle est vraiment très bien, cette session, parce qu'elle permet, voilà, en plus de rencontrer l'équipe et du coup de comprendre un petit peu ce qui se passe chez InDesign, ça permet aussi de se remémorer quelques petits trucs, et c'est toujours bon. Oui, carrément. C'est ça. Dans cette session-là, il y a eu aussi la démonstration d'une des nouveautés d'InDesign cette année, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a quand même eu, et c'est celle donc de capture, l'intégration de capture dans InDesign. Donc, on avait l'intégration de capture dans Photoshop depuis quelques versions. Maintenant, l'intégration de capture dans InDesign, je crois que Franck en a montré déjà un peu ce matin, mais je préparais moi aussi un petit truc pour montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, j'ai repris mon fichier de l'année dernière. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de la session de l'année dernière. Parce que l'année dernière, on avait regardé un petit peu les nouveautés de la même manière ici aujourd'hui. Et j'avais pipété une couleur à l'intérieur de cette image-là.
D'accord? Donc avec l'outil pipette qui permettait de récupérer une couleur. Et en fait, maintenant, grâce à l'intégration de capture dans InDesign, j'ai la possibilité, en faisant un clic droit, d'extraire de l'image directement soit un thème de couleur, soit une forme, pardon, soit un texte. Alors, un texte, en fait, c'est une reconnaissance partielle ou totale de la typo pour venir ensuite nous proposer des fontes depuis le catalogue Adobe Oui, Fonts. c'est super Mais là, pratique, Et directement c'est en hyper design. pratique, voilà. Bah Parce que là, du coup, je vais lui demander de faire une extraction de couleur. Donc là, en fait, ce que fait InDesign, c'est qu'il ouvre un panneau. Alors, ceux qui sont déjà familiers de ce panneau capture dans Photoshop vont retrouver un peu leurs habitudes, puisque c'est plus ou moins la même chose. Ou ici, donc InDesign me charge l'image et va me proposer d'aller chercher donc des couleurs à l'intérieur de cette image-là. Et évidemment, ces points de couleur, je peux venir les affiner, d'accord, pour aller chercher des couleurs précises qui se trouvent dedans. Et je vais avoir la possibilité ensuite, eh bien, de l'enregistrer. D'accord, ça veut Alors, dire attends, ça. Ouais, le alors, truc bouge. pourquoi ta couleur de la palette là, c'est pas la même que sur ton document? Parce que ça, c'est le genre de question existentielle que moi je vais avoir si je m'en sers, tu vois. Alors, c'est sans doute dû au profil colorimétrique et au rendu de l'image. Ouais. Voilà, dans l'écran. Alors après, bien sûr, ces couleurs-là, Pauline, une fois qu'elles sont enregistrées dans la bibliothèque, on a tout à fait la possibilité de venir aussi les modifier. D'accord? Là, ici, il me sort les hexas, donc la version hexadécimale, mais je peux ensuite venir les ouvrir dans Adobe Color, par exemple, et venir parfaire leur taux CMJN en les passant en quadri ou leur taux RGB s'il y a besoin de le faire aussi. Là, c'est, je pense, c'est surtout une question de rendu entre ce que tu vois dans le bloc et ce qu'il y a dans le panneau là. OK, Ah, donc là, ça c'est enregistré ou pas? Oui, voilà, c'est enregistré dans la bibliothèque. Hop, merci, voilà. Et donc je l'ai fait deux fois. Et donc je retrouve ici la palette de couleurs, d'accord, qui est tirée du coup de cette image-là. Alors après, la palette de couleurs, hein, ça fonctionne comme on a l'habitude de voir, c'est-à-dire qu'après, si j'ouvre mon panneau nuancier. Hop, mon panneau nuancier, tu vois, donc là j'avais cliqué sur la couleur la plus claire, elle arrive dans mon panneau nuancier, elle est tirée d'une couleur d'une image RVB, donc elle arrive en RVB, et je peux tout à fait ensuite venir choisir dans les options de nuance, je te disais tout à l'heure, lui dire c'est pas du Oui, RVB, c'est de la ok. quadri, et puis Je venir affiner les réglages de quadri. Évidemment, on choisit des valeurs Ah, qui sont pleines. qui sont rondes, voilà, des valeurs rondes, puis on va nommer, voilà. Et donc là, ici, cette couleur-là est repassée en quadri, et on peut l'affiner, hein, directement dans le panneau nuancier, il n'y a pas de problème là-dessus. OK? Bah, écoute. Et Puis en après, tant que j'y suis, ouais, pardon. vous avez vos couleurs partout, dans Photoshop, dans Fresco. C'est ça aussi. L'avantage, effectivement, d'enregistrer ces nuanciers dans la bibliothèque CC, c'est qu'effectivement, on va les retrouver dans Illustrator, dans Photoshop, dans XD. Enfin, dès lors qu'on a accès à la bibliothèque, on peut partager la bibliothèque avec des collaborateurs, avec des clients, avec des prestataires, etc. Ils auront accès du coup à cette couleur-là. On peut la modifier, on peut la supprimer. Enfin, le classique du travail en collaboratif qu'on connaît avec les bibliothèques CC déjà depuis quelques années maintenant. Et on se demande comment on faisait ça, d'ailleurs. Puisque j'y suis dans le panneau nuancier, là, c'est très bien. Je vais montrer un petit truc qui est arrivé aussi un peu. Voilà, on l'a eu l'année dernière, mais je ne sais pas si c'était vraiment bien acquis pour tout le monde. Mais quand on fait un clic droit sur une nuance, maintenant, on a la possibilité aussi de rechercher cette couleur. Et rechercher cette couleur, ça va nous ouvrir en fait ce panneau rechercher remplacer. Dans l'onglet couleur. Donc, c'est cet onglet, la couleur, qui est arrivé l'année dernière dans InDesign. Mais on a l'accès direct en faisant un clic droit dans le panneau nuancier pour rechercher une couleur directement. Ça nous ouvre donc ce petit panneau. Et quand je clique sur le bouton suivant, en fait, voilà, il va venir me rechercher. Je vais replier un peu la bibliothèque. Ah, ok, tout Voilà, ce qui est il de va cette venir me couleur. trouver tout ce qui comporte cette couleur-là. C'est très pratique. Quand on voit arriver, par exemple, dans des documents volumineux, qu'on importe différents fichiers qui viennent de Presta ou de services ou d'agences différentes, et puis hop, on importe un logo et on voit qu'on a trois tons directs qui arrivent dans le panneau nuancier. Et évidemment, on ne veut pas les récupérer. Très pratique pour voir où ils se trouvent. Clic droit dessus, rechercher la couleur suivante, et puis on voit directement où ça arrive. Ça, c'est le genre de tips que si tu connais pas, mais tu perds des heures de vie là-dessus. Oui, Des heures voilà. d'existence. Voilà.
Donc ça, et pour capture aussi, donc là j'ai fait un extraire l'image depuis donc la photo qui se trouve ici, mais on peut aussi extraire, alors non pas des couleurs, mais une forme. Et là je vais reprendre la petite pieuvre de l'année dernière. Je vais faire pareil, je vais faire un clic droit dessus, et je vais demander en fait d'extraire de l'image une forme. En fait, là, de la même façon qu'on a l'option dans Capture sur le téléphone ou dans Illustrator, on va ici avoir la possibilité de faire une vectorisation de la forme. D'accord? Donc là, Illustrator va détecter les contours de la forme. On a la possibilité de choisir, de conserver plus ou moins de détails. Là, un peu moins. On va activer le lissage. D'accord? Donc ça va venir lisser. Les formes vectorielles, les tracés vectoriels dans l'image. Et de la même manière, là aussi, je vais lui demander de l'enregistrer dans la bibliothèque. Donc là, il est en train de faire tout le process. Ça prend un petit peu plus de temps que les couleurs. Il est en train de faire tout le process et il va venir l'enregistrer dans la bibliothèque. Et puis, une fois que ce sera enregistré dans la bibliothèque, ben là, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, ce sera accessible partout, donc dans l'ensemble des logiciels sur lesquels on peut ouvrir la bibliothèque, dont Illustrator. Et dans Illustrator, je vais pouvoir le récupérer, l'importer, et on verra qu'on aura le tracé vectoriel dedans. Voilà, donc ça ici, c'est une des principales nouveautés dans le design cette année. C'est vrai qu'entre la mise à l'échelle de l'interface, la notion d'inclusivité dans les termes en anglais, on ne le voit pas, c'est complètement transparent en français. Là ici, c'est vraiment clairement l'extraction d'une image pour venir l'enregistrer dans Capture qui est la nouveauté de l'année dans InDesign. Voilà, ça, c'est tout ce qu'on a pour l'instant dans InDesign. Cependant, le temps que ça charge ici, je continue, j'avance un petit peu dans une autre session que j'avais On regardée. Pardon? ne t'arrête pas, c'est trop bien, t'as tout Bah, faut le pas hésiter, n'hésite pas truc à m'arrêter. à Qui est une session, alors on ne peut plus la voir parce qu'elle est plus en ligne, il n'y a pas le replay, il n'y a pas le replay, pardon. Mais c'est une session qui s'appelle Think Tank d'InDesign qui permet ici, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, de rencontrer les faiseurs d'InDesign, ceux qui mettent à jour le logiciel, ceux qui travaillent sur le logiciel. Et là, c'était une session très intéressante parce que elle a parlé de plusieurs nouveautés à venir dans les prochaines versions d'InDesign. Ouais. Ah, Alors, c'est ok, c'est pareil, un peu du sneak on ne de sait pas si. l'Einstein. Ouais, alors c'est pas du SNCS parce que c'est pas de la recherche et développement. Là, c'est clairement pour InDesign, mais en même temps, on est dans de la bêta, donc c'est des éléments qui vont pas forcément se mettre en place dans la 2023 ou peut-être dans la 2024, ou voire même ce sera complètement abandonné parce qu'on n'y arrivera pas. Il y en a une que vous pouvez voir qui a été présentée donc dans cette session-là, la première que je vous ai montrée tout à l'heure. Hop, je vais couper le son. Voilà. Et c'est une fonction qui porte un nom qui s'appelle Content Edit Online, et qui va permettre en fait, alors je vais essayer d'y arriver, voilà, c'est ici, pile poil, à 9 minutes et quelques, vous verrez, donc dans cette vidéo qui est en replay, hein, à 9 minutes, ici on a la démonstration en fait d'un partage de blocs de texte. Alors ceux qui connaissent InCopy dans InDesign, vont peut-être faire un parallèle avec. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est moi, en tant que concepteur de documents dans InDesign, je crée des blocs et je suis souvent en attente de texte de la part du client ou de la part d'un réviseur. Et l'idée, c'est de partager un bloc de texte en ligne. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe derrière. Donc là, il vient partager des blocs de texte dans un nouveau panneau qui s'appelle Content Editing. On est dans une version bêta d'InDesign. Hein, donc, ce n'est pas InDesign 2022, c'est une bêta d'InDesign. Et en fait, donc, ces blocs de texte partent en ligne sur l'espace partagé que nous, on connaît déjà à 7.adobe.com, sur lequel on a nos bibliothèques, nos fichiers et même aussi les partages pour révision. Ça, on en parlera peut-être un peu plus tard. Donc, c'est partagé auprès de cette personne qui accepte du coup le fait de pouvoir modifier. Et là, donc, elle se retrouve. Alors, vous voyez, elle est en ligne. Hein, elle est vraiment sur Chrome, ici, dans son Allez, tu espace à vois. 7.adobe.com. Je vais bien Et la donc, pointe. elle a accès à des blocs de texte. Et pour ces blocs de texte, elle va pouvoir les modifier ou venir mettre le nouveau texte qu'il faut dedans. Et pareil, elle a un petit bouton Submit. Je fais vite, hein, parce que voilà, mais vous pouvez évidemment regarder ça. Elle a un bouton Submit.
Et une fois qu'elle a soumis les textes, eh bien, dans InDesign, on récupère les soumissions, les propositions de texte, on valide ou pas, on les rentre et c'est fait. Voilà. Alors, c'est de la Est-ce bêta. que ça remplace le texte tout seul, du coup? Non, ça ne remplace pas tout seul. Il faut une validation humaine pour le designer C'est le mot derrière. magique. D'accord? Ouais. Voilà. Alors après, là, pour l'instant, de ce qu'on peut voir, on voit que c'est à l'état de projet. Pourrait se dire que ce serait pas mal aussi d'avoir un accès au style de paragraphe et au style de caractère, etc. Mais n'empêche que ça montre un petit peu sur quoi sont en train de travailler les équipes. Ça explique aussi peut-être pourquoi on a un peu moins de nouveautés cette année, mais parce qu'en fait, ils sont sur des choses qui demandent peut-être un peu plus de temps à développer, etc. Donc, ça présage d'avoir des choses, des nouveautés assez importantes dans les prochaines versions. Voilà, celle-ci par exemple, qui était ce petit bloc là où il y avait les trois informations de texte, 3X, il vient mettre des informations qui sont précises, qui sont réelles. Et donc cette personne-là qui va mettre à jour, vous voyez, elle a des X partout, elle va dire OK, il y a du texte dans les stats, elle met à jour les stats. Et ça, le bloc va se mettre à jour automatiquement dans InDesign. Donc c'est assez intéressant, voilà, pour celui-ci. Ouais, c'est hyper intéressant. En plus, ça arrive tout Ouais. le temps, ça. On a tout le temps ce gars avec les clients où tu peux Voilà. commencer à faire ma brochure, j'ai pas les visuels, j'ai pas le texte, mais Alors, ça va. on a eu l'année dernière, je ne sais pas si tu te souviens, on a eu le partagé pour révision. Donc là, où, en fait, on partage une sorte de comme une version PDF de notre fichier InDesign en ligne. D'ailleurs, le partagé pour révision, il est arrivé pour Photoshop cette année. Donc, c'est une nouveauté Photoshop cette année que nous, on a déjà eu l'année dernière. Pour une Bah c'est ça, fois. il y en a moins dans InDesign, mais en même temps, celle de Photoshop, elle rattrape aussi InDesign. Donc, Voilà, un peu, effectivement. Donc, on avait déjà un peu cette idée-là en disant, bah voilà, à cet endroit-là, ce serait bien que tu remplaces le logo par celui-ci. Dans ce texte-là, tu le supprimes, tu remplaces par tel autre mot, etc. Et ça, donc, dans le partage pour révision, voilà, il est en train de le montrer d'ailleurs, le share for review, là, ici, partage pour révision. Donc là, vous voyez, il n'est plus dans la bêta, il est dans InDesign 2022, hein. Donc là, on est plus revenu sur des choses concrètes, celles qui existent aujourd'hui. Et donc, dans cette version d'InDesign, et en 2022 encore, effectivement, on a le partage pour révision. Donc ça, on peut déjà le faire, proposer, enfin, présenter le document au client et recueillir des modifications ou des suggestions de modifications. Ce sur quoi ils sont en train de travailler, c'est carrément de la révision dans le fichier. C'est un peu une sorte de in-copy allégé, pour ceux qui connaissent une copie, qui va se passer sur le web directement. Voilà. Une Ben oui, il y a nouveauté. Franck qui nous dit, ah, mais on a déjà ça avec les PDF qui, pour le coup, remplacent tout seul. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc, on a ça. Et donc ça, donc c'est cette partie-là, là. Donc avec, vous allez reconnaître les icônes, hein, vous vous référez à la session de l'année dernière. Toutes ces icônes-là, on va les avoir du coup aujourd'hui dans Photoshop 2022, partagé pour révision. On a un certain nombre de choses. Évidemment, c'est propre aussi à Photoshop. Hein, toutes les éditions de texte ne sont pas là, mais parce que c'est lié aussi à la nature des éléments dans Photoshop. Mais on retrouve cette idée. Donc ça, voilà, c'est une des nouveautés, enfin des futures possibles nouveautés d'InDesign. Il y en a eu quatre autres qui ont été présentées dans le think tank, qui est malheureusement plus en ligne. Le projet Tinge, qui est une sorte de génération de background à partir d'une image. Je ne peux pas vous le montrer, évidemment, mais c'est pareil. Alors, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, Pauline, c'est-à-dire basé sur la technologie de Sensei, l'intelligence artificielle, ou comment est-ce que un logiciel peut fabriquer une image à partir de rien. D'ailleurs, ça rejoint aussi un petit peu ce qu'on a dans Photoshop, là, quand on regarde dans les neural filters, ceux qui sont en cours de développement, parce que je ne sais pas si dans Photoshop vous vous rappelez, mais vous avez les neural filters qui sont déjà disponibles, et puis ceux qui sont en cours d'arrivée, et il y en a un qui est mis en avant là dans Photoshop 2022, qui est la génération de visages. Comment est-ce qu'on peut créer des visages à partir de rien, entre guillemets, c'est-à-dire de gens qui n'existent pas, avec des rendus photoréalistes. Donc là, c'est un peu la même idée, mais c'est plus dans la génération d'arrière-plan, donc la création d'arrière-plan derrière, c'est le projet Kinch. Il y a eu aussi le projet Smart Styles. En fait, l'idée, c'est de quand vous faites des styles de paragraphe ou des styles de caractère dans InDesign, aujourd'hui, vous pouvez les assembler par en groupe, vous pouvez les grouper par dossier, par sous-dossier même. Mais l'idée, c'est de faire des packages de styles, en fait,
propre à une DA. Donc, par exemple, vous auriez un titre, enfin, un style de paragraphe pour le titre, le chapeau et le texte courant pour une DA plutôt classique. Et puis, de la même manière, vous auriez aussi un style de titre, de chapeau et de texte courant pour une DA un peu plus jeunesse, voilà, etc. Et donc, par des thématiques de DA. Et en fait, après, c'est des packages de styles. Et puis, lorsque vous les glissez sur le document, bah, tout ce qui était titre, sous-titre, enfin, chapeau et texte courant, bah, va aller récupérer le bon style de paragraphe en fonction des thématiques que vous changez. Du coup, ça permet de switcher d'un thème à un autre à l'intérieur d'un même document. Je ne sais pas si je suis très clair, c'est un peu difficile d'illustrer ça sans image, mais c'est un peu l'idée. Un peu à la manière de ce qu'on connaît, s'il y en a qui utilisent ces outils-là, Spark aujourd'hui, SparkPost par exemple, sur les mobiles, où en fait, lorsque vous fabriquez des images pour les réseaux sociaux, vous avez des thématiques qui vont choisir à la fois la bonne fonte, la bonne couleur, etc., suivant que vous êtes sur un thème automnal, très industriel, mécanique, etc. Bah, c'est un peu cette idée-là, en fait. Vous venez glisser des packages de style en fonction d'une DA dans vos documents. Autre élément qui a été présenté, c'est une sorte de reconnaissance des objets dans InDesign. Aujourd'hui, vous savez que si vous appliquez des styles d'objets à tous vos blocs dans InDesign, vous n'êtes pas embêté pour la mise à jour des aspects graphiques de vos blocs. Mais en même temps, je ne suis pas certain que tout le monde utilise les styles d'objets pour tous les objets dans son document InDesign. Mais on peut appliquer des contours, des couleurs de fond, des dimensions, etc. On en a parlé déjà un petit peu, et aussi des positionnements dans la page. Et là, l'idée, ce qui a été présenté, c'est en fait, lorsque vous avez une récurrence de blocs à l'intérieur de vos pages, l'exemple le plus classique, c'est un catalogue, vous avez toujours la même construction de page, la même structure de page, et puis d'un coup, vous vous dites, bah, tiens, mon bloc, je t'en prie, à tes souhaits, le bloc qui contient le prix, bah, je vais lui donner une couleur de fond, une petite ombre portée arrondie, etc. Et en fait, on le fait une fois, deux fois, puis InDesign, il commence à se dire, mais attends, tu es en train de le faire sur 3, 4, 5 pages, il y a 200 pages, est-ce que tu veux que je fasse les autres? En fait, S'il il comprend au fur et à te mesure. Voilà, quand plaît. on fait plusieurs fois la même fonctionnalité, moi j'ai tendance à dire, quand je fais les choses deux fois, ça va, mais dès que je les répète trois fois, je commence à scripter. Bah là, en fait, l'idée, c'est ça, c'est qu'il va dire, bah, tiens, tu as changé 2, 3, 4, 5 fois le même type d'élément sur une page. Est-ce que tu veux pas que je m'en occupe pour toi jusqu'à la fin du document? En gros, Ah c'est mais ça. oui, s'il te plaît, Voilà. vas-y, Sachant que, bien, allez. pour ceux qui utilisent des styles d'objets, c'est des, enfin, voilà, il n'y a pas besoin. Mais voilà, Oui, c'est pour ceux qui ça montre un oublié, petit quoi. peu ce sur quoi ils sont en train de bosser, c'est-à-dire sur la reconnaissance des actions à l'intérieur du fichier de la part de l'utilisateur. C'était assez intéressant. Et une dernière fonctionnalité qui, je pense, va intéresser beaucoup de monde parce qu'elle n'est pas propre à InDesign. Alors, ils nous l'ont montré dans InDesign, mais en fait, elle va sans doute s'appliquer à l'ensemble des logiciels. C'est l'accessibilité booster, ce qu'ils ont appelé, c'est-à-dire en fait, comment est-ce qu'on peut rendre nos documents accessibles au plus grand nombre, y compris donc en fait, pour tout ce qui est question d'accessibilité, principalement sur le handicap, mais pas que. Et notamment, c'est un outil qui va permettre de créer des rapports, donc des rapports sur. Bah, par exemple, le contraste des couleurs entre la couleur du texte et la couleur du fond. Donc, ça, nous l'ont montré dans InDesign, c'est intéressant. Pour InDesign aussi, on va avoir la notion de texte alternatif sur nos images, surtout quand on fait du publish online derrière ou quand on fait des exports destinés à une diffusion sur le web. Donc, la balise alt, hein, pour ceux qui connaissent. L'ordre de lecture des différents blocs de texte. Là aussi, c'est quelque chose qui est important. Et la configuration du voice-over, voilà, pour les différentes petites choses qu'ils ont montrées. Là, j'ai l'impression, enfin, on a eu l'impression que c'était plus un projet d'ampleur sur l'ensemble des logiciels et que ce n'était pas quelque chose qui était propre à InDesign. Donc là aussi, c'est quelque chose sur lequel j'imagine que tout le monde bosse d'arrache-pied et qui me semble être très intéressant. Voilà. Pour un peu le futur, les sneaks des designs. Bah, écoute, carrément, c'est trop cool. Est-ce que tu as regardé un petit peu. Alors, toi, tu as regardé beaucoup les sessions techniques, du coup, Oui. et moins les inspirations? Alors, j'ai pas regardé beaucoup d'inspiration. Par contre, il y en a eu quand même un petit peu sur les sessions d'après que j'ai regardé. Alors, je vous ai parlé
de cette session-là sur le workflow dans InDesign, qui est plutôt destiné, je disais, à un public, disons, débutant ou qui a besoin de se rafraîchir un peu la mémoire sur les fonctionnalités d'InDesign. Il y a eu la session aussi de Kees Gilbert, de Gilbert Consulting. Donc là, on va dire que c'était une session un peu plus intermédiaire pour ceux qui ont des niveaux intermédiaires, qui était une session très intéressante sur la gestion des documents longs, avec notamment 5 astuces, 5 très bonnes astuces sur la gestion des documents longs, où là, ici, certaines personnes vont reconnaître certainement les blocs de texte dans les templates pour le texte principal, par exemple, pour faire défiler des éléments. Il y a eu la génération des chapitres, le nommage des chapitres de manière automatique, ça c'est un petit trick dans les listes à puces notamment, voilà, les listes à puces, listes numérotées, évidemment le nommage des listes, etc. Donc là, celui qui veut un niveau intermédiaire, on va dire, dans InDesign et qui veut apprendre quelques astuces, la session de Kees Gilbert était vraiment très bien et très accessible. Alors, pas beaucoup de créativité, okay. C'est plutôt de la technique, comme tu dis. Oui, voilà, plutôt technique. Voilà. Et puis, niveau un peu supérieur, donc là, on parle scripting, une session qui est en replay aussi, de Dave Clayton. Alors, c'est une session particulière parce qu'en fait, c'est la suite d'une session qu'il y a eu l'année dernière. Alors, si vous n'avez pas vu la session de l'année dernière, ce n'est pas grave, vous pouvez quand même la suivre. La session de l'année dernière, c'était plus sur comment utiliser un script dans InDesign, où trouver des scripts dans InDesign, comment les installer, etc., etc. Et là, c'est plus une session sur la présentation de quelques scripts qui ont été sélectionnés par Dave, dont des scripts qui permettent de faire de la créa. C'est pour ça que c'est de la technique, mais ça permet quand même de faire un pont sur certaines inspirations en termes de maquettes. Éventuellement, certains pourront s'y retrouver. Il y a quelques scripts payants qui sont présentés, mais il y a aussi des scripts gratuits. Ça vaut le coup d'aller voir, d'autant que c'est doublé d'un PDF qui est téléchargeable et dans lequel on va retrouver un certain nombre de scripts qui ont été présentés par Dave durant la session. Donc, ça peut vraiment aussi être un outil pour tous les jours, pour ceux qui veulent se mettre à l'utilisation des scripts dans InDesign. Hein. On en parle souvent. Moi, j'aime bien en parler aussi dans les sessions que je fais ici. Mais voilà, ça peut être mettre le pied à l'étrier. Disons que c'est un niveau entre intermédiaire et avancé, on va dire, d'accord, pour les utilisateurs okay. InDesign. Et the last but not the least, et après je passerai peut-être à plus de la créa dans Photoshop, c'est la session de... Ça va arriver. Diving deep voilà. Into Adobe InDesign. Exactement, de Bart Van de Vielle. Alors là, on est vraiment dans une session top, d'accord. Donc, niveau vraiment avancé dans InDesign. Très, très, très intéressant. Bon, de toute façon, toutes les sessions de Bart sont vraiment toujours très intéressantes tous les ans. C'est quelque chose d'assez fou. Là, toutes les sessions dont je vous ai parlé durent à peu près une demi-heure. Celle-ci dure facilement une heure, une bonne heure même, ouais, 1h08. Okay. Et là, on est, ouais, là, on est vraiment dans du high level dans InDesign, voilà, Bart. Et il va y avoir, dans cette session-là, il y a du grep. Il y a des textes conditionnels, il y a des astuces sur les calques, etc. Donc, un petit peu d'automatisation aussi, etc. Donc, c'est vraiment… Alors là, il faut se plonger dedans. En plus, je crois que c'est une des rares à ne pas être traduite en français. Pour toutes les autres, en fait, vous avez les sous-titres en français aussi. Donc là, on est vraiment 100% anglophone. Par contre, là aussi, il y a un PDF à l'appui, et là, le PDF fait plusieurs dizaines de pages, est très bien construit avec une table des matières, et vous allez retrouver pas à pas tous les exercices qui sont présentés par Bart. Donc là, pour celui vraiment qui veut s'entraîner, qui a un peu le courage de se plonger dedans, ça dure une heure, mais c'est un gain de temps incroyable sur la production derrière. Voilà. Donc ça, évidemment, moi, c'est une session que j'ai regardée parce que c'est des choses qui m'intéressent vraiment, et puis c'est toujours top qualité, et je la conseille évidemment là-dessus. C'est quand même incroyable d'avoir accès à tout ça. Ouais. Enfin, je trouve ça fou, quoi. Bon, après, évidemment, c'est les logiciels qui développent et tout, mais on peut vraiment déjà s'en sortir avec tout ce qu'ils présentent, quoi. Je trouve ça complètement fou. Ouais. J'ai une petite remarque de Nikki. J'aimerais bien, je suis curieuse de ce que tu vas dire.
Oui. Il n'y a pas eu d'avancée sur l'interactivité sur InDesign dans la mise à jour, sauf erreur de ma part à se demander s'ils ne vont pas abandonner. Il n'y a pas eu de nouveauté sur l'interactivité, non, effectivement. En fait, il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés dans InDesign concrètement, hein, cette année, pour être clair. Il y a trois nouveautés. La mise à l'échelle de l'interface d'InDesign, le capture qu'on vient de voir, et une nouveauté qui ne nous concerne pas, nous, les francophones, enfin, qui ne concerne que les anglophones, c'est l'inclusivité dans les termes employés dans l'interface du logiciel. Maintenant, ça ne veut pas dire que le reste va être abandonné. Je ne suis pas dans les petits papiers des nouveautés Adobe. Cependant, je pense pas que ce soit abandonné, non. Après, Après, c'est ce que je disais à l'interactivité dans Franck. InDesign, pardon? Bah, c'est ça. C'est ce que je disais à Franck, en fait. C'est parce que InDesign, c'est déjà tellement abouti comme logiciel qu'ils n'ont pas fait trop de nouveautés, tu vois. Ouais. Non, puis surtout l'interactivité dans InDesign, il y a déjà beaucoup de choses au final quand on regarde. Alors, je ne sais pas Oui, c'est ça. où en est Niki dans l'utilisation des interactivités dans InDesign, mais si on prend juste l'exemple Publish Online, qui est un exemple que je connais parce que je travaille pas mal sur ce type d'export-là. Après, il y en a d'autres, hein, mais sur Publish Online, en fait, quand on se sert bien des objets à état multiple, des animations qui sont soit prédéfinies dans InDesign, soit qu'on peut créer nous-mêmes. Quand on gère le minutage, donc pour l'apparition des différentes animations, plus la vidéo, plus les liens web, plus, on avait fait une démo aussi, l'incorporation éventuellement de fichiers CSS ou de pour venir personnaliser ce qui se passe au niveau du rendu. En fait, en termes d'interactivité, c'est déjà assez riche, je pense. Voilà. Ce qu'on attend dans Publish Online, c'est vrai, mais ça, il faut aller sur le User Voice et il faut aller voter. Alors, je n'ai pas préparé les liens sur le sujet, mais peut-être que Franck pourra le faire. Dans le Ouais, User Voice d'InDesign, ça. en ce qui concerne le Publish Online, on attend un certain nombre de choses, dont la possibilité de publier de Publish Online sur ses propres serveurs. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir partager la propriété d'un Publish Online pour pouvoir faire du transfert comment dire, d'export de fichiers sur un même lien, sans avoir à régénérer les liens derrière, etc. Voilà, donc, mais ça, après, mais c'est toujours pareil, en fait. Quand on souhaite avoir une nouveauté sur un sujet précis, User Voice, et on fait partager aux copains, et les Voilà. copains viennent voter C'est dessus. ce que je Voilà. dis souvent. Ça sert à rien de râler dans son coin, il faut aller râler sur le user voice et ça marche. Non, puis souvent, en fait, bah, on se rend compte que le besoin que nous, on a, ou les interrogations Ouais. qu'on se pose, bah, on n'est pas les seuls, et c'est déjà en cours, et parfois même, les choses arrivent au fur et à mesure. Carrément, mais n'hésitez pas à le rappeler. Ouais. Moi j'aimerais juste faire une mini parenthèse avant la suite parce que du coup on a parlé beaucoup de techniques et moi vous savez, Oui. je regarde plutôt les sessions inspiration et il y avait Mmh. plein de sessions typo qui étaient hyper cool. Donc vraiment je vous les conseille. Si vous tapez Type Trends, il y avait deux, trois sessions sur toutes les trends en typo, tout ce qui s'est Ouais. passé ces Je dernières crois années, que la manière dont je ça crois d'ailleurs qu'elle est encore sur la home. Je vais aller voir. Ouais, franchement, c'était Je hyper crois qu'elle intéressant. est présentée sur la home. Tout à Donc, fait. pour compléter, comme ça, on est trop fort à InDesign et on peut mettre de la typo hyper stylée dans son document. Tout à fait. Et en fait, je pense que, tu vois, on va la voir là. Tac. Je l'ai vu passer tout à l'heure. Ouais, Tu il vois, y bon, en a là, des c'est beaucoup de fois. la truc. Ouais. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est marrant, on est un peu deux écoles. Est-ce que vous êtes plutôt session technique ou session inspiration sur Adobe Max? C'est marrant, bah, Franck est plutôt technique et moi je suis plutôt inspiration, donc on Ouais. se complète un peu. Mais Et oui, il y en a plein. Après, on peut, enfin voilà, vous pouvez, elles sont toutes référencées encore sur la home de Max. Vous pouvez voir toutes les sessions ici. Effectivement, il y a des choses sur le type design, tout ça, que j'ai pas vu moi, mais ouais, carrément, mais c'est intéressante. aussi pour rappeler que c'est pas du tout qu'un événement qui parle de technique et de nouveautés et tout, ça parle aussi vraiment de culture, de graphisme, de l'image en sens général, de l'actualité, de tout ce qui se fait. Et c'est hyper cool. Moi, j'ai beaucoup aimé ces sessions sur ce qui se passe mieux en ce moment dans le monde de la typo et tout. J'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. Il y avait une session de Marina Wheeler aussi que j'ai notée qui était hyper chouette. Et j'ai regardé un peu de typo aujourd'hui. Ça m'a fait du bien. C'était cool. Donc voilà, n'hésitez Alors, pas. C'était chouette. il y a une session dont je voulais vous parler aussi et qui est plus inspiration aussi, c'est la session de Jeannette Matthews qui se Ah, sert de la. génial.
Ouais, qui est chef de projet, enfin même chef de produit, même je pense d'ailleurs chez Adobe sur la partie Substance, et qui a fait une super session sur Substance Stager, donc l'un des quatre logiciels Substance là, sur la 3D. Alors moi, la 3D, c'est pas du tout mon truc, hein, mais ça m'intéressait Du coup, vachement ça t'a montré de, ton domaine. de regarder comment ça marchait. Et alors, cette session, elle est absolument magique, parce que moi qui n'y connais rien à la 3D, j'ai tout compris. J'ai tout compris à ce qu'elle montrait. C'est Ça me cool, hein. paraissait être d'une fluidité extrême, vraiment très facile à prendre en main, etc. En plus, elle a une manière de présenter qui est très pop, très, très punch et tout. J'ai adoré. Et donc, ouais, là, clairement, j'ai regardé, pas pour la technique, mais voilà, regarder ce qu'on pouvait Ouais, faire c'est un avec skill Substance. slider Et aussi. c'est tout à fait bluffant. Tout à fait Bah, bluffant. du coup, la session 3D, on a une journée spéciale 3D cette année et du coup, ce sera mercredi. Donc, n'hésitez pas, on va parler de tout ça et ça va être hyper chouette. Et c'est vrai que cette année, il y a eu une vraie volonté de rendre la 3D, mais accessible en fait. C'est bon, ça fait plus peur, on n'est plus obligé d'avoir un logiciel qui fait peur et à s'arracher les Oui, cheveux. bah clairement c'est clairement ce qui est présenté. C'est-à-dire toute la suite Substance, elle est destinée à des graphistes comme toi, Pauline, qui fait plus de la photo, etc. Moi qui fais plus du design graphique. On n'est pas du tout issu de l'univers 3D. Et cette suite-là est destinée à des gens comme nous qui ont besoin, à un moment donné, peut-être dans leur processus de production, de fabriquer des objets en 3D. Et du coup, l'idée, c'est comment est-ce que on non pas on vulgarise, parce que ça reste très technique et très pro, etc., mais comment est-ce que on arrive à un rendu 3D de qualité avec des outils simplifiés, voilà, et Carrément, ouais. des process qui sont déjà mis en place. Et c'est assez prometteur dans effectivement la facilité de prise en main. Je m'y suis pas mis, hein, mais ça donne carrément envie, quoi. Ça donne carrément envie de s'y mettre. Et je pense qu'on est carrément dans la cible de ces outils-là. On est sur le concept de la virtual photographie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut générer de manière Ouais. 100% artificielle, 100% numérique, des éléments sur des rendus photoréalistes, quoi. Bah, je regardais, il y avait une session d'ailleurs sur le. Il y avait une session Max sur le marketing de Coca où ils disaient qu'ils n'avaient pas eu du tout de budget marketing cette année et qu'en fait, bah, avec le confinement, le Covid et tout, ils avaient dû faire tous les visuels sans photographe. Et en fait, c'est Ouais. là où on se rend compte que la 3D, ça a répondu à un vrai problème de cette année, en fait, on ne pouvait pas sortir faire des photos, on ne pouvait pas faire des shootings. Et du coup, il y a plein de photos qu'on a vues passer sur les réseaux où on pensait que c'était des vrais trucs, mais en fait, c'était de la 3D, quoi. C'est Donc, ça. ouais. Et effectivement, entre Stager qui permet du coup de faire de la mise en scène, entre Painter qui permet donc de venir appliquer des textures, pardon, dans des éléments 3D, dans des objets 3D, et puis Illustrateur. et alors après, il y a la partie 3D dans Ouais. Illustrator, effectivement, où on peut venir récupérer des textures qui viennent de substances. Après, Oui. voilà, après moi, c'est là où je m'arrête. Ah, Illustrator, c'est je vrai, ne moi connais c'est là pas. où j'ai commencé, c'est marrant, j'ai dit Ouais, oui. Illustrateur, j'étais ah, trop bien, Illustrator, je ne le connais pas suffisamment pour vraiment ça, j'ai pas. réussir à savoir voilà, ce qui est nouveau, ce qu'on pouvait faire avant, etc. Là, c'est pas mon truc, mais oui, effectivement, la démo de la 3D dans Illustrator est quand même assez bluffante. Ouais. Ouais, bah de toute façon, je pense on va en parler un petit peu demain et mercredi. Donc demain, on reçoit Kyle Webster aussi pour parler d'illustration. Donc Ouais. voilà, donc il va se passer plein de choses aussi. Donc ça va compléter quoi. Donc trop cool. Et bah écoute, Voilà. je sais pas si tu voulais compléter. Je sais que tu avais préparé plein de choses. Mais j'aime bien le côté papotage aussi. Mais ouais, mais moi ça me va très bien. Écoute, de toute façon, je pense que toute la semaine, vous allez parler de l'ensemble des nouveautés. Donc après, voilà, il n'y a pas de. Oui, Il n'y carrément. a Ah oui, je suis aucun. curieuse. Alors, dans le chat, c'est quoi vos sessions préférées de Max? Parce qu'en fait, comme il y en a 40 000, je suis sûre que forcément, je suis passée à côté de à peu près 37 000. Donc, n'hésitez pas à partager celles que vous avez bien aimées. Ça permet de rattraper un petit peu et de voir si vous avez appris des trucs cools à des endroits, quoi. Moi, je suis curieuse. Voilà. Voilà, bah dans les. Ouais. Moi, franchement, j'ai vu plein de trucs cool. Et dans les trucs cool aussi à venir, c'est les versions web de Photoshop et d'Illustrator. Ils sont Oui, ouais.
sont assez impressionnantes. Mais tout ça, c'est présenté dans la keynote. Dans la keynote de départ, là, tu en as parlé tout à Les l'heure, sneaks Pauline, de départ. dans les deux sessions qui sont mises en avant là, sur la page de Max, il y a les sneaks qu'on a évoqués, mais il y a aussi la keynote. Et dans la keynote, il y a pas mal de présentations très intéressantes sur les nouveautés à venir, dont une intervention de Terry White qui est absolument magique sur Photoshop. Donc la révision dans Photoshop, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, hein, donc le partage pour révision, mais aussi la version Photoshop Web qui est juste bluffante et voilà, c'est envie de l'avoir. On l'a déjà d'ailleurs, on peut déjà y accéder depuis les assets, Ouais, mais carrément. on a envie de l'avoir en version non pas bêta, mais définitive. Et ben, bah, du coup, c'est aussi la version. Alors, pour ceux qui se diraient, ouais, on va avoir full Photoshop sur Internet en ligne, en fait, c'est la version qui ressemble plutôt à la version de l'iPad. Donc, c'est une Tout à version fait. light de Photoshop, mais quand même, vous pouvez déjà faire plein de trucs, quoi. Oui, en fait, on a accès au calque, on a accès à certains outils de sélection, le texte pour pouvoir retoucher du texte, etc. Et surtout, comme c'est un PSDC, donc en fait, c'est une version PSD enregistrée sur le cloud, on peut réouvrir un élément créé dans la version web de Photoshop sur la version desktop. Donc en fait, je veux dire, en fait, finalement, la limite, elle existe presque pas parce qu'au final, tu fais un peu de modif dans la version web de Photoshop, mais tu retrouves de toute façon où tu as toujours la possibilité de réouvrir le fichier dans la version desktop. Donc là, ici, tu fais ce que Oui, tu veux. carrément, je me demande. Voilà. Ça peut être cool pour faire des brouillons à des endroits où on n'a pas le bon ordi ou tu vois, on n'a pas le logiciel installé. Enfin, je sais Ouais, pas. ou pas. Qu'est-ce que ça peut être l'usage de ça? Bah, ça peut être effectivement, tu n'as pas accès à un ordi avec une version desktop d'installer, donc tu peux y travailler dessus, mais ça peut aussi être du partage léger, par exemple pour corriger les textes directement. Donc tu fais une campagne 360 pour les réseaux sociaux avec tes différents formats de fichiers, avec le texte, etc. T'envoies le lien, parce qu'en fait tu partages un lien, donc t'envoies le lien au, je sais pas, un responsable marketing, un community manager, je sais pas, et qui change son texte directement, pouf, il enregistre, tu récupères. Enfin voilà, ça peut être. Et après, on peut imaginer plein de cas de figure différents. Le thème central de tout ce dont on a parlé, enfin tout ce qui a été évoqué pendant la semaine de Max et ce dont nous on est en train de parler, et j'imagine que tout le reste de la semaine, ça va aussi être là-dessus, c'est la collaboration. Du coup, en fait, comment est-ce que les process se mettent en place, soit au niveau du Creative Cloud, avec des belles nouveautés aussi dans le Creative Cloud, avec le CC Space, la possibilité de créer des espaces de travail à l'intérieur de CC. Donc ça, c'est en devenir, hein. Ça, on ne l'a pas encore, mais ça va arriver début 2022. Donc en gros, des espaces partagés sur lesquels on peut regrouper des assets, on peut regrouper des inspirations, ça fait partie en fait de tout cet écosystème-là. Photoshop Web, Illustrator Web, c'est à la fois l'accessibilité légère aux outils, rapide et légère aux outils, mais aussi la collaboration entre équipes sur les fichiers. Bah là encore, on voit qu'ils se sont vraiment adaptés au fait que bah, on a tous dû bosser de chez nous cette année. Et il y a vraiment cette volonté de fluidifier ce process, en fait. C'est C'est vraiment ça, ça. exactement, c'est tout à fait ça. Donc ça va vraiment dans ce sens-là. Et c'est hyper cool. J'ai hâte de voir ce qui se passe. Alors, il y a une petite discussion sur. Il y a Tony qui dit j'allais poser la question. Alors, attends. Je connecte mes deux neurones. Le Vas-y. keynote de départ. Bah tiens, il y a Franck qui nous repartage la keynote de départ. Voilà, je vous conseille, hein, si vous avez deux vidéos à regarder, regardez le keynote de départ qui vous balance toutes les nouveautés principales et les sneaks qui sont. C'est toujours rigolo à regarder les sneaks. Voilà, c'est. Non. Bon, alors il y a une petite discussion avec Franck. Non, c'est bon, je crois qu'on est pas mal. Est-ce qu'on a OK. un petit mot de la fin? Un dernier truc qu'on aurait oublié. Bah Ah, moi, écoute, j'ai une question existentielle. oui. Voilà. Parce que du coup, j'ai vu dans les trends, et c'est vrai que ça se voit beaucoup récemment, le futur de la typographie, il parle beaucoup des fontes variables. Tu sais, Oui. où tu bouges un curseur et ça change la Grèce direct. Oui, Au lieu oui. d'avoir un menu déroulant qui dit light, gras, bold, machin, en fait, c'est ton curseur qui change. Mais en fait, à quel moment ça s'utilise ça? Je le vois en vidéo,
Mais du coup, dans quel logiciel ça s'applique et comment ça s'utilise? Est-ce que tu sais Alors, tu ça? peux l'utiliser dans InDesign, trois versions, je ne veux pas dire de bêtises, mais depuis quelques années déjà, tu peux l'utiliser. Tu as un panneau front variable, en fait. Et en fait, tu peux venir choisir sur des fonts qui ont été conçues pour être variables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les typographes travaillent beaucoup aussi sur cette notion-là lorsqu'ils dessinent des nouveaux caractères. Ils vont dessiner des nouveaux caractères en tenant compte, du coup, des étapes de transformation. Sur presque le niveau scalable, le niveau variable de la de, du dessin du caractère. Donc entre le très très fin et le très très gras. Voilà. Et voilà, Et du là, coup, ça. clairement, en fait, dans les logiciels, hein, tu choisis la fonte qui est une fonte variable, et puis tu viens jouer sur les indicateurs d'épaisseur. Tu peux jouer sur la graisse, tu peux jouer aussi sur l'étroitisation des caractères. Voilà. Tu as différents indicateurs. Mais là, à quel moment, on est vraiment en phase de création là. Ouais, carrément. Toi, tu t'en sers déjà de ça ou Non, je c'est. m'en sers très très peu parce que je ne suis pas sur des projets de création, je suis plus sur des projets d'exé, choses comme ça. Mais je sais que c'est déjà beaucoup utilisé, notamment sur du poster design, du flyer design. Ouais, carrément. Donc, du coup, ça faisait partie des grosses trends. Ils ont beaucoup parlé des fonds de variables qui se développaient de plus en plus et aussi que ça s'appliquait à la vidéo, en fait, parce que du coup, elles sont hyper faciles à animer et à faire bouger, tu vois. Donc, Ah bah c'est. sans doute, ouais, sans doute. Ouais, Là, c'est pareil, carrément intéressant. c'est un niveau de connaissance que je n'ai pas sur la vidéo. C'est comme la 3D ou Illustrator, je suis pas assez Bah, en qualifié fait, dessus, ouais, mais en mais fait, c'est intéressant parce que du coup, toi, t'es très, très niché, mais du coup, très, très pointu dans ce que tu connais. Tu vois, moi, ça part un peu dans tous les sens. Ça fait, Non, ah, t'as non, mais vu, c'est hyper intéressant. En tout cas, regarde, effectivement, le concept de la fonte variable, c'est d'abord dans le fichier de la fonte, le typographe qui va travailler ça, et ensuite une réutilisation à l'intérieur des logiciels. C'est très, très intéressant pour la créativité. ouais, et puis je pense que de toute façon ça va y venir, ils vont développer ça, que ça soit utilisable en vidéo et tout, parce que ça se voit de plus en plus et ça devient pas important. Donc voilà, si vous vous en servez pas encore, jetez un œil, commencez à regarder. Je pense que ça va devenir important dans les années à venir. Donc voilà. Est-ce que vous avez des petites questions là dans le chat? On a 2-3 minutes, on peut terminer ça. Tiens, il y a Niki qui nous dit oui, fonte variable, c'est génial. Par contre, pas facile de les trouver sur Adobe Font. Ah, c'est vrai, en fait, il n'y en a pas encore tant que ça qui sont développés. Il y a encore les grosses fonderies qui sont en train de les développer. C'est vraiment un truc nouveau, en fait. Je trouve ça hyper intéressant parce que c'est les typos historiques. Par exemple, ils ont fait l'Helvetica en fonte variable, mais en fait, ça leur donne comme une nouvelle vie, un second souffle et un nouveau moyen de s'adapter à notre époque, en fait, et une nouvelle vision. Donc, c'est assez intéressant, quoi. Je pense que oui, ça va se faire d'abord sur les. Ça doit être un taf monumental de développer ça. Donc je pense que ça va se faire d'abord sur les fontes historiques. Et bah écoute, on n'a pas l'air d'avoir de questions. Ah voilà, Franck qui nous dit, pour le bonheur des fontes animées en vidéo, c'est sur Animographie. Animographie.net et en démo dans le festival. Trop cool. Et bah écoute, je vais aller voir ça. Merci Franck. Et bah merci Jean-Loup. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Ben non, encore une fois, merci beaucoup Pauline pour l'accueil et merci à tous pour le suivi dans le chat. J'étais très content de faire ce retour de Max avec vous. Bah merci, c'était hyper cool. C'est toujours cool de te recevoir. C'est gentil. Pour tout le monde, on a une semaine de dingue. Donc j'espère que vous êtes avec nous. On a Franck toute la semaine à midi qui va vous faire les nouveautés. Et du coup, moi, toute la semaine à 14h. Ouais, je suis trop contente de vous voir toute la semaine. Donc vous avez le programme de Franck. Demain, c'est la journée illustration. Donc Franck vous fait les nouveautés illustration et moi je vous enchaîne une session avec Kyle pour voir ça en pratique. On a mercredi, ça va être animation du côté de Franck et ça va être 3D de mon côté. Jeudi, ça va être la photo, ça va être hyper cool. J'ai hâte qu'on ouvre un peu Photoshop et qu'on bidouille dedans. Et vendredi, ça va être vidéo. Donc oui, on a une grosse semaine et après la fin de la semaine, on est à jour. Voilà, on est dans une époque et on est au taquet. Et ben voilà. Merci à tous. Je crois que c'est bon. Je vérifie qu'on n'a pas de questions. Merci à tous. Bah, je vous retrouve demain. Merci à toi, Jean-Loup. Et puis, bah, Merci Pauline.
Vous envoie plein de bisous. Passez une bonne fin de journée. Bonne fin de journée.